Voilà mes loulous, les enfants du rock, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé à propos de spécial J-Rock, en tout cas, que ce soit du côté de, bien sûr, de évidemment, de Scandale, de côté de Hazan, Kofo Generation, Versailles et puis Jupiter. Et puis n'oubliez pas qu'aussi il y a l'IV Metal que je vais vous envoyer à la fin, et que ce soit de côté de mes groupes préférés, mon groupe préféré en tout cas, c'est bien sûr The Avenged Sevenfold. Et puis le message le plus important que je vais vous parler maintenant, Green Day, September Dance. Et en tout cas, ça c'est le message que je vous donne dès maintenant. Vous avez compris pourquoi ce message est très important dans cette chanson. En fait, c'est deux jeunes adolescents qui sont tombés fous amoureux, et malheureusement, l'armée américaine, les Marines, doit obliger appeler le garçon, le jeune amoureux, évidemment, qui va partir en armée, de service de l'armée, les Marines, pour faire la guerre, pour lutter contre les terroristes. Et bien là, vous voyez, c'est la chanson qu'on vous donne le message, mais dans la vraie vie, c'est tous les jours comme ça. Et oui, il y a des moments qui sont difficiles, même si on est amoureux, et bien quand les services de l'armée fait appel, que ce soit du côté des garçons ou côté des filles, et bien en tout cas, on est obligé de s'engager, en tout cas, même si l'amour est plus fort. Il faut dire carrément que la guerre est atroce. C'est vrai que la guerre est atroce depuis quelques années, depuis de la guerre 14 jusqu'à maintenant. Il faut dire carrément que ce message que nous aussi, le rocker, on doit donner un message qui est fort, poignant, et que ce soit vraiment très fort, le message dans le monde entier. On doit lutter contre la guerre justement et défendre la paix dans le monde entier. Et vous savez qu'en tout cas, avec les terroristes, c'est pas facile. Évidemment, le gouvernement fait tout faire pour le protéger, et aussi côté les services armés américains, ou soit dans le monde entier. Alors oui, on peut dire carrément que c'est difficile, mais on doit montrer être fort que aussi, que nous aussi, le rocker, on n'a pas peur des terroristes. Alors c'est pour ça que je vous ai envoyé cette abordance, évidemment, de Green Day. Si vous aimez, si tu aimes ce vidéo, en tout cas, depuis toute la journée, que ce soit côté les enfants du rock, les cartes postales des enfants du rock, jusqu'à maintenant, tu marques juste Filet Tombo, justement, tu regardes les enfants du rock, et bien sûr, les cartes postales des enfants du rock de Lyon, et ben, c'est, tu cliques juste de petits pouces, tu vois. Comme ça, évidemment, tu t'abonnes et puis envoie plein de commentaires. Et je, bien sûr, je te reprendrai un peu plus tard si j'ai temps. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne nuit. En tout cas, on se retrouve le week-end prochain, parce que le week-end prochain, c'est Gomis Gone. Est-ce que Gomis Gone, côté Sandego, aussi, il y a les enfants du rock? Je peux pas vous dire parce que c'est une surprise. Alors d'abord, tu me laisses pour reposer pendant une semaine, parce que c'est vrai que là, pendant le week-end, j'ai travaillé. Donc c'est vrai que j'étais tardif côté 14 juillet à cause de problèmes de connexion. Mais là, maintenant, tu vas me laisser reposer parce que j'ai travaillé jusqu'à là. Je n'oublie pas qu'évidemment, il ne faut pas oublier que c'est les vacances d'été. Et donc des fois aussi, je peux me reposer la semaine et reprendre un petit peu le week-end. Et aussi, on peut dire qu'évidemment, que dans 15 jours, il y aura bien sûr les enfants du rock spécial que Play, justement, que j'ai promis à ma meilleure amie, que je ne peux pas dire le nom parce que je dois la protéger. C'est ma grande sœur de rockeuse du rock, et c'est ma grande sœur de rock justement que je ferai pour elle justement pour le grand week-end de Coldplay. Attention, il y aura des clips, il y aura des extraits de concerts de Lyon, mais pour la première fois dans les enfants du rock, à YouTube, au Messenger, il y aura aussi Coldplay en Belgique, à Bruxelles, et ce sera entière mes amis. Oui, entière. Et là, ce sera vraiment la grande soirée. Allez, je vous dis bonne nuit. Et on va finir en beauté avec Oasis, évidemment. Et là, c'est possible. Je vous dis à toutes et à toutes bonne nuit. Faisez toutes les jolis rêves. Et on se retrouve le week-end prochain pour Gomis Gone, pour Gomis Gone, et surtout pour le grand retour des Actus Ciné pour... Ouais, le petit Gugus Spider-Man, je sais, voilà, vous voyez là, c'est lui là que je vais voir, voilà, je vous ai promis, voilà, ce petit Gugus là. Et attention, c'est que le week-end prochain, il y aura une surprise que je ferai, mais je ne peux pas vous dire, vous attendez soit sur Messenger, mais aussi sur la vidéo de YouTube. Ah non, je ne te dirai pas c'est quoi la surprise, tu verras une surprise. Mais ça sera le week-end prochain. Donc il faut attendre un petit peu. Je ne peux pas te dire. Je te dis que c'est une surprise, d'accord? Donc attends le week-end prochain et tu verras bien.
Allez, comme dit le chat, à le week-end prochain, chez vous les biens. Bonne nuit à vous tous et attends la surprise, c'est le week-end prochain, d'accord? Allez, tous, voici Oasis et à le week-end prochain pour spécial Comic Con et dans 15 jours pour le grand retour des enfants du rock, spécial le grand week-end de Coplay. Tous.